Ouais, les gars, on avait pas fait le dernier indice là. Genre, on avait lui. Voilà. Vous voulez qu'on le fasse? Bah ouais, le dernier go. Attends, faut que je coupe ma musique parce que j'ai Jujutsu Kaisen dans la tête. Pourquoi ce cercueil, le sang glow des sangales et le sang s'écrit en bleu alors que le sang c'est un truc qui est bah la couleur de base c'est vert. Il y a un bug non? Attends, je vais fermer ma vitre. Ta vitre. Mais puisque je te dis que ce n'est pas la première fois que l'on se voit, je t'ai vu Putain, elle a tous pas les son casque. jours, hier et avant-hier et encore Attends, avant. elle a pas son casque sur les réseaux. Ma Si. souris, mon clic gauche ne marche pas. Oh! Au pire, les gars, je fais le stream d'ici, genre. Et je clique là, hop, et je repars. C'est bon, ça ira. J'ai plus envie d'en parler. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. C'est que c'est réel. Un domestique, pas d'interrogation. De Chion était venu avec une grosse turvoie pour nous récupérer. Attendez, je remets bien mon câble. J'avais refusé de monter, par politesse, mais Chion m'avait poussé sur la banquette arrière, fourguant mon vélo dans le coffre par la même occasion. Nani? Putain, ça daze. La voiture, c'est la voiture de Oishi, je connais. Ouais, ça. C'est ouais, aussi c'est toujours la même le. voiture. Il y a une seule voiture, genre, dans ce monde-là. C'est aussi le décor où il y avait Oishi, c'est vraiment bizarre ça. La voiture, une berline assez luxueuse. Imagine le chauffeur, c'est Oishi. Avec Seoshi, je pense, hein, se trouvait sur la petite route qui menait à Inamizawa. Chion avait l'air encore plus doué que Fion. Car quelle que fût la question, elle arrivait toujours à s'en sortir. Waouh! Quand on En tout parle. cas, vous êtes vraiment pareil. Si tu attaches tes cheveux en arrière, on peut plus vous différencier toutes les deux. Je parie. Je parie. Ah, qui sait? Je pourrais essayer, je pense que c'est ce qu'il se passerait. Nous sommes de vraies jumelles monozygotes. Le fameux. Quand nous étions plus petites, on s'échangeait nos amis et personne n'arrivait à faire la différence. Jungle Tiff. Oh, attends, donc est-ce qu'ils ont pas à certains moments échangé Si, pendant qu'on si, était. c'est obligé, frère. On s'amusait à tous les tourner en bourrique à l'époque, on a essayé des tas de choses. Des tas de choses. L'homme d'âge mûr qui servait de chauffeur. Entièrement habillé de noir, comme un vrai majordome, poussa un long soupir. Eh bien, Kasai. Ça veut dire quoi ce soupir? Faire ce soupir. Le mec s'appelle Cassé. Hein. C'est qui c'est? Vous voulez que c'est moi qui l'ai cassé? Mais, ouais, bah ouais. D'ailleurs, attends, juste. M'exploser. Faites voix de mal à fin. Non, une voix d'exploser. Merde. J'ai pas le. Merde, mais putain, mais je trouve plus. Ouais, Pour les dialogues. Ah ouais, Gan. Là, avant, Chion l'appelait Cassé avec deux S. Et là, il n'y a Ah que un ouais. S. Là, c'est casé, casé. C'est Cassé, ouais. My bad. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Mais je me dis simplement que vous n'avez pas vraiment changé depuis cette époque. En regardant son visage grâce au rétroviseur intérieur, je peux voir que c'est Oishi. Non, je peux y lire toute la fatigue accumulée lors de toutes ces années de service. Mais d'Ivoire, Quoi? voir. C'est bien par là pour aller chez toi. Kazé ne connaît pas trop le chemin de Inamizawa, à part celui entre nos deux maisons. Kazé. Plot twist, il a un frère jumeau qui s'appelle Cassé. Mec. À Si voir. tu le laisses conduire en silence, il est capable de rouler jusqu'à Yagoshi. Yagoshi. Quoi? Eh non, déconne pas, excusez-moi, vous pouvez me laisser à l'entrée du petit chemin qui mène à droite là-bas? Ce sera largement suffisant. Fourgeon noir. Il arrêta la voiture exactement à l'endroit demandé. Le fameux Kasei sortit mon vélo et me le tendit. Tiens ton vélo. Tordu, crac, tiens. Allez, bonne soirée. Ah, merci beaucoup, hein. M'excuse de vous avoir fait rouler tout ce vin, c'est sorti à vous. Oh là 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 C'est là là! 100 mètres de haut, gros! Oh la dégaine, t'as Monopoly, y'a aucun rapport, y'a aucun rapport. Il est énorme! Putain, ouais! Vous vous appelez Keishi, si j'ai bien compris. Oui, j'ai changé de voix entre temps. Ah, oui, effectivement, pourquoi?
Heur. Heur. Je pense qu'elle vous en fera voir de toutes les couleurs. Mais ne vous inquiétez pas, elle finira par s'enlacer. Ayant un peu de patience avec elle, c'est tout. Il poussa à nouveau un profond soupir. J'étais prêt à parier qu'il en avait vu des vertes et des pas mûres. Depuis qu'il était au service de son dans un kissan. Je viens de cracher sur mon clavier là. Mais vous savez, elle est très gentille au fond. Comme Mademoiselle Fion. Quoi? Vous voulez dire qu'elle aussi... qu'elle est aussi chiante que sa sœur? Vous n'êtes pas sérieux? Dans son corps là. Avec un sourire poli, parfaitement figé et de grosses gouttes de sueur sur le front, l'homme resta parfaitement quoi? Oh purée de pommes de terre, c'est juste une blagounette quoi. Oui, j'ai un peu changé de dialogue. Allez, salut Ray, à la prochaine. Passe le bonjour à ma sœur de ma part. Les gars, regardez ma bouteille de jus de pomme là, en vrai. Attends, t'as bu tout ça mon ref? Non, j'avais la moitié là. J'ai commencé à la moitié. Mais en vrai, ça a l'air d'être un petit truc Kali en vrai, hein, putain. Kali, la meuf dans ce monde. Allez. Ça lui chie dessus. Merde, les gars! Arrêtez! Minutes, là, sa chaise, elle va être marron. Les gars, elle est déjà marron. Voilà. Elle est déjà vous. Oh, allez, vas-y, lis. Alors, j'ai presque envie de m'inscrire à l'école de Inamizawa, tiens. Non, vas-y, déconne pas, si tu te pointes chez nous, je cherche même pas à comprendre, je me fais transférer dans cette de Kinomiya. Ah! Super blague ça. Hein. Oh le salaud, c'est super méchant ce que tu dis là, Ray. Il a eu un coup de klaxon très court, genre. Le chauffeur me fit un petit signe de la main, un petit doigt d'honneur là. La voiture repartit de plus belle sur le chemin obscur, laissant un nuage de poussière derrière elle. Fraîchement, la journée avait été terrible. Dans un éclair, j'ai le souvenir vivace du regard vide qu'avait eu Fion lorsqu'elle nous avait vus ensemble. Ah mais ok, c'est après la soirée là. On aurait dit un animal mort, debout, comme foudroyé par l'ennemi empoisonné d'une sarbacane, Timo. J'ai eu beaucoup de mal à l'oublier. Fin de l'indice. Il était utile cet indice, on a vu cassé. Le retour. Ouais. Merde, mon téléphone. T'en empêches son blaze, c'est l'équipe de Kamel, genre. Ça me foudroie de rire. Putain, je l'ai. C'est la K-Corp. C'est ça, c'est ça. Chargé. Ok, Garen. Continue, les gars. On a pu cette musique de l'euphorie, là. Oh, je mets un petit peu plus de son pour cette douce mélodie. Le lendemain arriva. Ce fut un jour très étrange, pendant lequel Fion fit tout son possible pour éviter de compliquer la situation. Lorsque je croisais son regard, Fion se souvenait qu'elle devait faire ceci ou cela, ou bien même aller aux toilettes et se barrer en courant. Rena n'en pouvait plus et restait constamment avec elle. Ça y est, on est finito. Oh, non. Ah non, putain, les gars, les questions, les gars, vous feriez quoi là? Moi je à la place. Genre, ouais. T'arrêtes de parler à Fion ou à Chion, genre? Bah non. Enfin, genre, tu continues à parler à Chion et à Fion ou t'arrêtes de parler à Fion? Bah, tu l'expliques. Notre cirque Fion se compense de manière très différente aujourd'hui. Genre, tu expliques le malentendu et tu pensais qu'elle était elle et qu'elle te faisait une blague, genre? Genre, bah, tu dis la vérité, genre? Non, pas qu'elle faisait une blague, mais ouais, c'est vrai que c'est. Simplement. Je sais le pourquoi du coup, mais je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Les filles, c'est compliqué. Parfois, elles sont instables. Laissez-la tranquille, c'est plus efficace. Tiens, on dirait que Rena m'appelle depuis le couloir. Qu'est-ce qu'elle veut bien me vouloir? Oh, elle va l'éclater, frère. Keishi, viens par ici. Ah, le couloir en question. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est que c'est... Il a changé quand même ce couloir. C'est un secret? Eh bien... Ça ne s'est pas super bien passé hier, on dirait.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Fille a l'air sacrément mal en point, mais je crois que j'ai réussi à recoller quelques gros morceaux. Oh, franchement, chapeau. Comment t'as fait? Oh, bah en fait, c'est comme pour la télé. Attends, je vais augmenter un petit peu ton son de Thomas, deux secondes. Comme pour la télé. Elle a lu même FM. Elle a vu Baba. Là, tu qui est passé. Bien comme ça, tout fort, à 45 degrés, toc. Tiens, prends ça, sale tas de boulons. Oh. Elle leva la main devant elle, montrant le tranchant, puis l'abattit droit devant elle. À vrai dire, j'avais du mal à voir si c'était une blague, ou si ça avait vraiment marché. Elle devrait s'en être remise demain. Que dalle, hein. Mais j'ai un petit service à te demander. Écoute, je l'ai pas fait exprès, mais c'est ma faute, alors j'aimerais pouvoir faire quelque chose. Tu peux me demander ce que tu veux. Arrête de lui parler. Merci. Je pense que Fille va être comme si les derniers jours... va faire comme si les derniers jours ne s'étaient jamais passés. Comment ça, mon ref? Elle va simplement nier les faits? Je vois. Ouais, c'est une manière de fuir les problèmes comme l'autre. Ça marche pas. Enfin, bref. Essaye de faire la même chose. Je pense que comme ça, tout rentrera dans l'ordre. Jamais. Mais t'es sûr que c'est si facile que ça? Écoute, sois gentil, laisse-la tranquille jusqu'à ce qu'elle ait réussi à encaisser le choc, d'accord? Ok. Je n'avais rien à me reprocher. Enfin, quand même. Mais je sentais quand même que quelque part, c'était ma faute. Celle qui devrait avoir honte, c'est Chion. Elle savait tout depuis le début et elle a joué la comédie. Ouais, mais elle a jamais essayé de me faire croire qu'elle était Fion. Ah putain de merde, j'ai envie de taper sur quelque chose là. Mais sur quoi? Me voyant en train de tourner comme un lion en cage, ne sachant pas quoi faire de mes nerfs, j'ai frappé Rena. Rena se mit à rire. Enfin, j'espère que tu auras au moins remarqué. Fion aussi sait être mignonne quand elle veut. Me dit-elle, cheveux au vent, d'une voix douce et sereine. J'ai la sainte-tête là. Ouais. En tout cas, c'est pas une fille chiante. Tant mieux alors. Elle se mit sur la pointe des pieds et s'étira. Oh. Si tu as remarqué, alors ces derniers jours n'auront pas été en vain. Tu vois, dans quelques semaines, on pourra en rire. Je regardais le ciel, puis m'étirais moi aussi. L'azur limpide s'étendait à perte de vue. Aujourd'hui, pas de club ni rien d'autre pour remplacer. Désolé pour toi, Keifi. Aujourd'hui, tu devras rentrer tout seul, d'accord? S'il suffisait vraiment pour moi de laisser tranquille une journée pour tout réparer entre nous, alors j'étais partant. C'était bien peu de choses finalement. Ok, entendu. Comme je peux pas lui dire, j'en profite pour te le dire à toi, mais. Je tiens à m'excuser pour toute cette histoire, c'est pas assez. Enfin, désolé quoi. Ouais, pourquoi pas. Après tout, c'est bien à cause d'un de tes commentaires que tout cela a commencé. J'espère que ça te servira de leçon et que tu apprendras à faire preuve d'un peu plus de tact désormais. Ouais, c'est bon, je vais faire un effort. Ok. Ce fut le jour le plus court de toute ma vie. Apparemment, Rena passa tout son temps à parler à Pion. Elle avait l'air de bien s'amuser, et j'aurais vraiment voulu aller leur parler. J'ai promis de ne pas le faire. Fion aussi avait l'air de faire des efforts, pour ne pas faire attention à moi. Alors j'en fais de même, ce fut très difficile. À midi, je mangeais tout seul, pour la première fois depuis des semaines. Fion mangea avec Rena. Mais il peut manger avec Rika et Satoko? Ouais. Ah, ok, non, c'est bon. Alors que je poussais un soupir dépité, Rika fut soudain derrière moi et me caressa lentement la tête en souriant. Eh bien alors, vous avez appris beaucoup de choses sur la vie, on dirait. Je ne pensais pas qu'elle dirait un truc pareil. En même temps, ça sonnait comme si j'avais eu mon premier chagrin d'amour. Je n'aimais pas ça. J'espère que la maîtresse ne va pas s'y mettre aussi.
Allons, allons, je suis sûr que vous deviendrez un adulte formidable. Allez, encore une caresse pour la route. Ouais. Et toi qui bûches tout le temps, tu deviendras quoi alors, Wonder Woman? Je l'espère bien. Quand je serai adulte, tout le monde m'adulera. Ah, mais vous savez, lorsque je serai... Merde, c'est moi. Je t'ai laissé parler, mec. Non, mais vous savez, lorsque je serai adulte, tout le monde m'admirera aussi. D'ailleurs, j'ai du Rika aussi, non? De quoi? C'était du Rika aussi, non? Non, c'était moi. Ok. Ah, je crois que c'était magique. Dis pas de bêtises, tu resteras toujours une gamine. Je suis pareil, maman au feu. Oh. Gros? Oh. Mais, comment osez-vous? T'as 600 de ping? Ouais, un peu, ouais. Ok. Ça. Ouais, j'ai pas le temps de lire. Ça, Satoko prend l'index en l'air, et aussitôt une bassine vide en tombe sur le coin du crâne. Oui, c'est un assassinat là. Oh putain. Oh dieu, ça fait mal. Encore cette musique de Shad. Y'a pas ici, Satoko. Ok, je vais peut-être changer le stream du. Le titre du stream. Le stream du. On malaxe des enfants, le comeback. Oh, je lui chopais les joues et tirais légèrement dessus, lui mettant parfois de petites baffes rapides et en dehors de tous les côtés de la tête. Finalement, ce jour-là, la vie m'a pris une grande leçon. C'est très important de tabasser des enfants. C'est terminé comme ça. Bon les gars, c'était cool. Fin du jeu. Du coup, on stoppe. Allez. Arrêtez avec cette blague là, putain. Je suis d'accord. Ok, on se promène, on va à l'école. Hop, et fin du chapitre. Aujourd'hui samedi, la journée d'école fut très courte. Samedi mon ref. Lame. Impossible de rentrer à la maison alors que le soleil était à peine au zénith. Normalement, nous étions du genre à utiliser l'après-midi pour faire un boxon monstre avec nos activités de club. Excusez-moi, Mirika avait encore de l'entraînement à faire avant la cérémonie religieuse du lendemain. Et donc nos jeux avaient été annulés. Encore ? Comment tu t'en sors ? Ouais, c'est vrai que ça va à l'entraînement ? On se fait hagan, hein ? Disons que c'est mieux que l'année dernière. Ah oui, l'année dernière, tu étais au sol à plus savoir comment bouger. Je la fais en mode dépressif. Hein. Cette année, elle dégage une toute autre impression. Vous allez voir, ce sera magnifique. Je vois cette fameuse fête de la purification dont elle me parle tout le temps. C'est demain alors. C'est un peu trop tôt d'organiser une fête en juin. Mais cette année, l'été avait commencé très tôt aussi. Donc c'est une bonne chose. Bon et bien nous devons aller. Réjouissez-vous car demain sera un grand jour. Oh j'ai hâte d'être demain là. Ah ouais putain. Vous une agréable journée à vous tous chers amis. Merci maître. Nous faisons signe vigoureusement. Elle est disparue au détour du chemin. Ok. Ah tiens, en fait, maintenant que j'y pense, je sais toujours pas où elle aura lieu cette fête. Il n'y a pas vraiment de place du village ici, non? C'est au sanctuaire Furude. Ah, mais c'est le nom de... Rika? Ouais. Ah ouais. Tu te souviens, on a déjà été se promener là-bas. Là où il y avait une jolie vue. La jolie vue. Ah ouais, je vois où c'est maintenant. C'est vrai qu'il avait un joli temple sur les hauteurs du village. Ça m'avait paru trop bien pour la région, en fait. Dans le sanctuaire, il y a aussi une salle de réunion pour la mairie. Les anciens y viennent parfois, et parfois... Deux fois parfois.
Et parfois même, on loue la salle à des clubs de sport ou à des agences pour certains programmes de remise en forme ou pour les cures d'amaigrissement. Wesh. C'est pas seulement un sanctuaire Shinto, c'est Shinto. C'est une sorte de complexe où l'on peut faire de tas de choses. Je vois. Je comprends du coup pourquoi il est si beau et si bien entretenu. C'est assez là. Est-ce que tu irais avec ta famille aider aux préparatifs aujourd'hui? Oui, ils ont besoin d'hommes. Oh non, oh. Aïe. C'est vrai que j'ai pas mal d'oncles qui vont venir d'Okinomiya aussi. Ils ont besoin d'hommes? J'ai rien à faire aujourd'hui. Quel heureux hasard. Tu crois que je gênerais les autres si j'allais pour j'y allais pour me rendre utile? Oula. Oui. Hein? Hey, tu veux aller aider? Tu feras ça pour nous? Bah si vous voulez pas, je m'impose pas. Hein. Je te demande juste. Là où j'habitais avant. Rena, sa tête, frère. Rena, la tête. Elle est en mode non, frérot, zombie. Elle nous juge, frère. Là où j'habitais avant. Il y avait eu des choses pour la fête des morts, mais les préparatifs étaient toujours un peu secrets. Et puis je n'étais pas très en phase avec mes voisins aussi. Mais ici, tout le monde était très impliqué dans la vie communautaire. Les préparatifs de la fête annuelle, c'était super important. Si tu veux bien, Keishi, il y a beaucoup à faire. Il faut monter les tentes, installer les chaises. Oh. Tu vas bouger tout le temps. Bon, je serai pas seul, je suppose. Si on s'y met tous ensemble, ça ira vite, non? Fion avait l'air d'hésiter, à la fois super contente et à la fois prise d'une certaine appréhension. Mais Rena a su comment insister. Ah. Bon, alors c'est décidé. Allez-y. On va avec elle, Keishi. Puis il va t'apprendre ce que c'est que travailler. Ouais. Oui. Elle insulte le chômeur là. C'est même toi tu t'y mets, je n'ai pas vraiment le choix, je suppose. Bref. Ah pardon, je pensais que j'ai fini ma phrase. Bon, rentre chez toi, on va te changer et rejoins le groupe devant devant le temple. Devant Adolf. Il amène une serviette pour la transpiration. Et bah voilà, enfin de l'action. On dirait pas, je sais, mais j'aime faire du sport sur le soleil. Fais attention à tes hanches, hein. Wesh, wesh. Allez les enfants, il faut que j'y aille. Là, je vais te défoncer. Non mais à chaque fois j'ai l'impression d'avoir fini mes phrases, pardon, excusez-moi. Je me change et j'y vais aussi. Alors, sois pas en retard. Hey, oui, on y croit. Salut. Salut. Avoir son allure rapide pour rentrer chez Zell, puis on avait pas mal récupéré depuis les événements de la veille. Le twist, c'est chiant. Ah mais les filles, ça va être très vite, tu sais. C'est un peu sexy ça. Elle est passée à autre chose désormais, c'est faux. Elle marchait vite parce qu'elle avait envie de fuir. On dirait bien, oui. Ils sont très très cons. Hein. C'est facile de s'adapter à elle. Je dois avouer que ça me dépanne bien qu'elle en fasse plusieurs fromages. Je vais te l'enculer, Keishi. Mais tu dois bien avouer que c'était intéressant. Non? Un peu comme Cendrillon en fait. Il y a eu des instants magiques, mais maintenant la magie n'opère plus. Alors tu ne la reverras plus comme ça. Curieusement, Rena avait l'air très enjouée en disant cela. Oh merde. C'était peut-être le genre de situation qui lui plaisait. En tout cas, moi qui devais l'accompagner maintenant, plus ou moins de mon plein gré, je peux vous dire que je ne savais pas trop quoi en penser. Il parle à nous, là. Ouais. Si tu aimes ce genre de choses tant que ça, pourquoi tu ne jouerais pas ton long plus rôle d'une Rena complètement différente de la normale? Moi, je l'ai. Oui. Répète. Tu veux asseoir? Oui, ce serait marrant. Mec, je te jure, on a entendu le oui et le rang.
Oui, ce serait marrant, hein. Non, 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 mais avant... Ah, ok. Mec, je te jure que... je te montrais ce la rediff, mais on a entendu... Oui, rend, hein. Ouais, c'est, ça fait, ça d'un fait coup, ça. Genre. En fait, ça a coupé, et on a eu un... En fait, t'as eu un lag, je crois. Il y a eu zéro délai, genre. Ah ouais, ouais, je pense que t'as eu un lag. Un giga coup de ping. Mais alors, dis-moi, quel genre de Rena tu aimerais rencontrer? Oh putain. Une Rena avec du 90D qui serait nue sous son uniforme et que je pourrais toucher, masser et caresser toute la journée. Il a la main dans le calbar là. Vite fait, 90D, je vais refuser. Mec, c'est quoi sur Google? Mais. Zarma, c'est un appareil photo, exactement, frère. Ok, c'est un appareil photo. Stylé, les appareils photo. Ah, ça va pas être possible, je crois. T'as même pas fait la blague de la censure, mec. Je suis trop triste. Ah, oh, merde. Merde, je peux pas, gros, c'est dans une animation. Bah alors, une Rena sympa qui me ferait partager son panier repas fait maison et qui viendrait me chercher tous les matins pour m'accompagner à l'école. Mais je le fais déjà, ça. Je chopais la tête là et lui ébriffais tendrement les cheveux, pardon. Tu t'appelles Rena Ryulu, non? Pas Reina, mais Rena. Hein, ma trop fils de pute. C'est quoi? Mais... Alors reste toujours comme tu es, s'il te plaît. Tu es bien assez parfaite comme ça. Mais attends, mais c'était gratuit là. Mais des fois il dit Reina lui. Ok. Mais tu sais que de base elle s'appelle vraiment Reina. Arrête. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Ah, il faut avoir la mémoire. Merci. Merci au client. Bonne chance pour les préparatifs. Ouais, on se voit demain. Salut. Salut.